Payot. Et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page. Aujourd'hui, nous vous proposons Le chat, le général et la corneille de Nino Aratichvili aux éditions Belfond. Tout cela à Lausanne grâce à Emmanuel André de Payot Libraire. Alors, l'histoire commence en 2016. Tout d'abord, il y a le chat. C'est Cécilie, une jeune comédienne d'origine géorgienne qui est exilée à Berlin et qui peine un peu à se remettre d'un drame familial et qui peine également à trouver sa place dans une ville dont elle ne comprend pas forcément tous les codes. Ensuite, il y a le général. Le général, c'est Alexander Orlov, un oligarque russe qui est en fait rongé depuis une vingtaine d'années par un souvenir. Et puis enfin, il y a la corneille. La corneille, c'est Ono, un mystérieux journaliste allemand qui a décidé d'enquêter sur les exactions commises par les militaires russes durant la guerre de Tchétchénie. Et en fait, ces trois personnages qui, de prime abord, n'ont rien en commun, qui, de prime abord, n'auraient jamais dû se rencontrer, vont en fait se retrouver tous les trois, plus ou moins malgré eux, face à un événement qui a eu lieu 20 ans auparavant, en 1994, durant la guerre de Tchétchénie. Et Nino Aratichvili, avec vraiment ce sens du romanesque qu'elle a, en faisant des allers-retours entre 2016 et 1994, va en fait nous raconter ces trois personnages et de quelle manière ils se retrouvent en fait dans le tourbillon d'une histoire, et puis on peut même parler de l'histoire avec un grand H, et une histoire qui va vite les dépasser en fait. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. L'obscurité, c'est juste de la lumière déguisée. C'était Le chat, le général et la corneille de Nino Aratichvili pour Marque Page. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page.